Et voilà. Franchement, je crois qu'on peut être super fiers du travail qu'on a fait, tu trouves pas? Pour une fois, je suis d'accord avec toi. On a fait du beau boulot. Et pas seulement toi et moi, tous les membres aussi. Ça, je confirme, parce qu'on a aussi placé un sacré paquet de meubles ici. Ouais, enfin, moi, je reste quand même super fière de moi et de ma merveilleuse cuisine. Ah, regardez-moi cette merveilleuse cuisine avec un micro-ondes, un four et... Ah, la meilleure chose de toutes. Le frigo. Ah, non! Oh, regarde, t'as tout fait tomber. Mais c'est pas ma faute. Il est tombé tout seul. Oui, bien sûr, on te croit. Oh, merci Anne. Ça aurait été bête de mourir écrasé sous un frigo. Cependant, j'ai quand même l'impression qu'on a oublié quelque chose aujourd'hui, vous trouvez pas? Franchement, moi je trouve pas du tout. On a tout ce qu'il faut. On a la télé, le canapé et toutes les chambres. Franchement, que demander de plus? Ah, je sais pas, ça va peut-être me revenir. Moi, je sais ce qui manque, l'eau chaude dans les douches. Ah, je déteste prendre ma douche froide. Ah, Mélissa, toujours à râler. Écoutez, c'est pas ma faute, il y a jamais d'eau chaude ici. Excuse-moi, Mélissa, mais tu peux pas dire qu'il y a jamais d'eau chaude ici? T'as encore jamais pris de douche? Oui, bah là-bas, c'était pas vraiment la joie, hein. En parlant de joie, je trouve que t'es plutôt rabat-joie, Mélissa. Aouh! Aouh! Pff, bien fait. En tout cas, moi je suis content d'avoir enfin une vraie cuisine et un vrai frigo. Mike, tu fais quoi là? Tu vas où? Hein? Oh rien, je vais juste prendre l'air 5 minutes dehors. Il fait beau, les oiseaux chantent, je souris à la vie. Ça lui fait toujours cet effet quand il fait beau? D'habitude, non, mais attends, je vais le chercher. Mike, qu'est-ce que tu fous ici? Bah, il fait beau et les oiseaux chantent. Plus il y a les voisins qui discutent dehors. Rien. Dis Mike, c'est toi qui chantais tout à l'heure dehors? Parce que, enfin, il fait beau et j'aimerais pas trop qu'il pleuve en fait. Merci, ça fait plaisir. Ok. Hé, Maude. Ah, Astrid, qu'est-ce qui se passe? Maude, c'est l'anniversaire de la chaîne. Elle a 4 ans. Oh. My. Dog! Non! J'ai pas pu oublier ça quand même! Déjà que t'avais oublié l'année dernière, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle! Vite, Mike, viens! Hein? Viens! Ah! Écoute, je crois que j'ai encore fait une grosse gourde! Quoi, t'as oublié l'anniversaire de la chaîne? Attends, tu savais que l'anniversaire de la chaîne c'était aujourd'hui et tu m'as rien dit? Mais t'es stupide ou quoi? Arrête de toujours remettre sur mes épaules! Écoute, Mike, faut qu'on trouve une idée. Ah, je sais! On va faire des muffins! Oh oui! Des muffins! Ah, ça, c'est une super idée! En fait, j'aime bien quand t'oublies des trucs parce que. Parce que t'as des super idées après, en fait. Bon, le problème, c'est qu'on a tous les ingrédients, mais on n'a pas de bougies. Oh, les bougies, ça peut se discuter. Guess who's back? Ah, tiens, un débile de service! C'est bon, j'ai la bougie! Ah ouais, cool, ouais! Et maintenant? Bah, maintenant, c'est direction la cuisine! Bon courage pour faire tes muffins et supporter ce zigoto pendant une demi-heure. Merci, je crois que je vais en avoir besoin. Quelle aventure!
Hey, yup, et les muffins sont tout prêts. Par contre, Mike, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as pas l'impression qu'il ressemblait un peu à du vomi tes gâteaux? Et t'as mis quoi dedans? Du vomi? Je crois que j'en prendrai pas, merci, c'est gentil. Bah, en fait, comme il y avait plus de beurre, bah, j'ai mis de la compote à la place. Et comme on avait plus d'œufs non plus, bah, j'ai encore mis de la compote à la place. Et comme on avait plus de sucre normal, et bah, j'ai mis du sucre vanillé. Et puis, Bah, ça donne ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Oh, attends, il manque quelque chose. Ouais, maintenant que tout le monde est là, on peut chanter, allez. Joyeux anniversaire. Mike, t'es au courant qu'ils sont... un peu bizarres, tes gâteaux? Mais non, ils sont très bons. Ok. Je vais faire un effort pour goûter aussi, alors. Ah, ils sont pas cuits. Alors, comment te dire, Mike? Ils sont pas cuits. Oh, et puis zut, hein. Non mais ça va pas, Mike. Non seulement elle oublie que c'est la 4 ans de la chaîne, en plus elle déteste mes muffins. Je m'en fiche, c'est les 4 ans de la chaîne, je fais des muffins et je suis content, voilà. Prenez votre 4, votre bougie et moi je m'en vais. Joyeux anniversaire.